Salut tout le monde, c'est Aurelska. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Invocation. On se retrouve sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Blazing. J'ai passé un portail parce que bon, maintenant il y a un Blazing Festival qui est là. J'ai passé le portail pour ceux qui se demandent avec Yamato parce qu'il m'intéressait pas forcément vu ce qu'il y avait dedans. Je vous le dis, celui-ci m'intéressait beaucoup plus et du coup pour avoir plus de perles, j'ai préféré passer celui de Yamato. Donc, on va se retrouver sur le portail de Blazing Festival de Gaara Shippuden, attention. On va aller checker rapidement, d'ailleurs, ses attaques. Donc le voilà. Très clairement, c'est pas le perso... c'est pas... disons qu'il est moins indispensable, on va dire ça comme ça, même si... c'est cool de l'avoir, hein. Mais il est moins indispensable, moins important que le Naruto Kyuubi notamment. Parce que Naruto Kyuubi, du premier Blazing Festival, il était vraiment ouf, il est encore vraiment ouf. On va dire que vous faites vos missions beaucoup plus facilement avec lui. Ici, le Gaara notamment, bon, c'est un bon perso, mais c'est pas le personnage indispensable. Mais voilà, on va checker donc ses... attaques, donc le ninjutsu, je le découvre avec vous, hein. Je les ai pas encore vus, donc écoutez, on va bien voir ce que ça dit. Ok, je me demande si ça c'est pas tiré d'un autre Gaara. Je crois qu'il y a un autre Gaara qui a la même animation. Et du coup, sa technique ultime. J'espère qu'il y a la petite animation 3D quand même. Ah ben voilà, il y a quand même une petite animation 3D, c'est ça qu'on veut, parce que je sais plus c'est qui en avait pas. Mais c'était la Sakura et la Hinata, je crois, en kimono qui en avait pas. Je sais pas si Yamato a une animation 3D sur son truc. Sur son perso. Donc on va aller checker le portail. Alors c'est pas un portail du coup que vous devez faire absolument. C'est pas le portail que vous devez faire absolument. Vous devez le faire si vous manque vraiment quelques persos de ce portail ici. Notamment de très intéressant, on a le Gaara, on a le Naruto Kyuubi justement. On a Lee aussi qui est assez cool comme perso. D'ailleurs, c'est Minato qui est en perso star. Donc on a Minato aussi. On a du Gaara Shukaku, Zabuza. C'est des persos qui sont plutôt bien. Ils sont même très bien pour certains. Et Itachi du coup en perso phare de ce portail. Donc moi, ce que j'aimerais choper, c'est le Naruto Kyuubi, Gaara, Minato, Lee. En priorité, on va dire Naruto Kyuubi. En second, j'ai limite envie de vous dire Minato parce que j'aimerais bien tenter un Phantom Castle. J'aimerais bien tenter le prochain et je sais bien qu'avec Minato c'est beaucoup plus simple. Enfin, apparemment il est très bon parce que c'est un perso qui peut attaquer tout le monde. Donc j'ai envie de tenter le prochain Castle, mais on verra bien. Après, je ne suis pas contre voilà n'importe quoi que j'ai pas encore en 5 étoiles, natif bien sûr. On va faire du coup des singles pour 70 perles. J'ai vraiment tout usé parce que j'ai envie de choper des bonnes choses dans ce portail. Donc voilà, tout simplement. Je sais pas si on va... Est-ce qu'on fait 4 singles et une multi-invocation ou quoi? On va bien voir la chance qu'on a déjà sur les singles. On va bien voir. Ok, bon. Bon, ça démarre pas trop bien là. Ça démarre pas... trop bien. Shitsune, bon, c'est pas, voilà, c'est pas ouf. Limite au début du jeu c'était bien, si tu la chopais ça faisait une healeuse et tout, mais là très clairement c'est pas ouf du tout. Allez, s'il te plaît là, donne moi les bons trucs. Limite j'ai envie de vous dire, je préfère quand il y a Sasuke qui arrive pas directement, parce qu'au moins s'il arrive à la troisième porte, ça annonce du bon. Voilà, par exemple, là, ça annonce déjà du meilleur qu'avant. Le top, ça serait qu'il y ait Sakura, mais je sais pas si Sakura peut venir vu qu'il pète les portes tout seul. Ah non, Sakura, je crois pas que Sakura puisse venir. Je crois qu'elle vient uniquement si les deux continuent encore à péter des portes.
Bon là évidemment, je dis que c'est mieux quand il vient après, mais avec ma chance, voilà, hein. Bon, Sarutobi, moi ça va monter l'aspect du mien, enfin la lub du mien. Même si je commence à avoir beaucoup de persos 4 étoiles natifs, on va dire, donc 5 étoiles quand ils sont évolués, qui commencent à avoir de la luck et qui sont pas forcément oufissimes. Surtout que pour le moment, malheureusement, il n'y a aucun mode de jeu qui me permette à ce que plusieurs de nos personnages, quand on joue en solo, leur luck soit utilisé. Il n'y a que le premier, donc bon. Quand j'en aurai un de chaque qui aura 99 de luck, très clairement. Ça sera déjà tapé à la poubelle au niveau de ces persos-là, quoi. Bon. Allez. Je sais pas si on fait une multi ou pas après. Pour le moment, ça se passe pas trop bien, là. Hein. La solo, ça se passe pas. Je pense qu'on va partir sur une multi après, hein, parce que... Je sais pas, les singles, c'est pas fou. À moins que... Ouais, non, pas du tout. Je me tape carrément du bronze. Alors, du bronze, maintenant, c'est la dèche. Hein. Quand tu tapes du bronze, c'est que t'as vraiment pas de bol. Maintenant c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Bon, on va partir du coup sur... On va partir sur une multi-invocation. Allez. Allez, s'il te plaît, donne-moi au moins un 5 étoiles natif, s'il te plaît. Que j'ai pas. Que j'ai pas, ça me ferait plaisir. Ok, bon. Sasuke qui arrive directement. Faut que Sakura elle vienne. Hein. Ok, deux persos gold. Bon, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Et sinon, que du silver. Bon, bah écoutez. Oh non. Oh non, j'ai peur. Ok. Ok, bon, juste après celui-ci, c'est la deuxième gold. On s'est tapé Kizame en premier. C'est pas fou. C'est pas fou du tout. Allez, s'il te plaît, fais-moi la petite animation. S'il te plaît. S'il te plaît. Non! Oh non! Encore? Oh, je crois que je l'ai trois fois, Rin. Je l'ai déjà eu une. Enfin, je l'ai déjà eu une fois lors de son portail où elle est arrivée. Et je crois que j'ai encore eu une fois après. Je crois que c'était sur le portail Body d'ailleurs en plus. Donc, il me semble que je suis à. Je suis à combien? Je suis à 40 de luck avec elle. Où est-ce qu'elle est? Non, c'est dans les bodies. C'est dans les bodies. Non, c'est pas celle-là que je veux, c'est l'autre. Bon, ça monte la luck. Très clairement, monter la luck d'un perso 6 étoiles, c'est déjà plus intéressant parce qu'au moins, potentiellement, il peut atteindre les 99. Le souci étant que faut le choper. Faut le choper 10 fois quoi. Et c'est là qu'il y a un souci dans cette histoire parce que bon, choper 10 fois le même perso, c'est pas tout ça, mais c'est compliqué. J'aurais préféré avoir un natif quoi à ce prix-là. Bon, bah écoutez, pas de bol sur ce portail. Malheureusement, pour le moment, j'ai l'impression que sur Naruto Blazing, j'ai plus trop de chance. Bon, je vais pas me plaindre parce que j'ai eu un 5 étoiles quand même natif. Mais voilà, c'est un que j'avais déjà. J'aurais limite préféré avoir le Itachi ou un truc comme ça, vous savez. Même si c'est pas le meilleur perso du monde, le Itachi, je crois qu'il peut se limite break quand même, donc à voir. Je referai peut-être des petites invokes de mon côté pour aller 2-3 invokes single que du coup je vous proposerai pas, donc on verra bien si je les aurai. Vous le verrez dans la prochaine vidéo du coup. Je vais essayer de vous faire une vidéo sur les nouveaux sur les nouvelles Emergency Missions, mais c'est vrai que pour le moment j'ai. Je farm quand je farm du Naruto, je suis pas chez moi, je suis dans le train ou quoi, je me vois pas tourner une vidéo dans le train. Hein, surtout que j'ai pas de PC, donc enfin que j'ai pas de PC quand je vais dans le train, donc c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc voilà. Je vous laisse là, écoutez, laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à répondre à la question du jour, qui préférez-vous entre Naruto, Kyuubi ou Gaara Shukaku? Donc c'est une question. Quand ils sont à moitié transformés en Kyuubi ou en Shukaku, bien sûr. Moi, je dois avouer que je suis quand même plus vers le Naruto, même s'il y a un truc qui me déçoit dans Naruto, c'est que quand on le voyait au départ et qu'il avait le sang qui venait sur lui, etc., je pensais que c'était un truc propre à lui, et ben au final, non, parce que Killer Bee le fait avec. Merde, c'est comment le poulpe? Je sais plus, avec le poulpe. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, Killer Bee a quasiment les mêmes transformations. Au départ, c'est quasi, ça se ressemble.
quoi. Donc il y a juste la forme qui est un peu différente. Alors que par exemple Gaara, quand il est en Shukaku, il est complètement, voilà, il est unique, on va dire. Donc voilà, mais je préfère le style de Naruto Kyuubi quand même. Sur ce, je vous laisse là. N'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a plu. Allez, ciao, bye bye!